jusqu'à. Il arrive dans 5 minutes. Jacques Delors, il avait mal au genou. Oui, on va te dire. Et Clémentine, il m'a dit qu'il avait très mal au genou. Non, ça va pas. Ça va ? Petite dernière, juste une dernière, un peu serrée. Il y a travaillé. Oui. En Espagne, comment ça va? En Espagne, quoi. Ah bon? Si on pense à l'avionique, c'est la même chose. L'avionique. Ah oui, l'avion. L'aviation. L'aviation, c'est la même chose. Salut Elisabeth, tu veux bien depuis quelques jours? Oui. La commission est tombée. Et puis, la séance commence, je vais s'appeler qu'on fasse une minute de comité. Et puis la séance commence, il y a l'heure d'assiette. Échec de la COD, échec du projet européen d'Europe politique. Donc on s'est attaqué sur l'économie, le social, le financier. Là on a fait des pas énormes, mais on ne tombe pas à l'eau. En plus les temps ont changé, la mondialisation avec tous les bouleversements qu'il apporte, la montée des pays émergents, fait que les Européens ont des craintes, se replient sur eux-mêmes et les gouvernements les suivent. Et voilà pourquoi votre crise. Donc il faut absolument que l'Europe apparaisse aujourd'hui concrètement utile aux gens, et puisque nous sommes obligés de pratiquer plus ou moins durement les politiques mondiales, il faudrait que l'Europe dise en même temps que l'on fait ça, nous traçons les chemins de la croissance de demain, et de la croissance de l'emploi. Monsieur Delors, continue à penser que l'aventure européenne reste une des aventures exceptionnelles, emblématiques du XXe siècle et du XXIe siècle. Bon, alors m'aviez posé une question. Est-ce que l'austérité n'a pas été trop forte, directement imposée au pays, directement après la crise? Est-ce qu'on n'a pas imposé une austérité qui explique la désaffection des peuples? Il peut y avoir eu des excès, mais vous savez, l'euro est... Non seulement l'euro était menacé, mais certains pays étaient au bord de la faillite. Vous avez oublié de dire que quand on a fait l'euro, d'abord, une parenthèse très courte, il n'y a jamais eu de crise de l'euro, pourquoi vous en parlez? L'euro n'a jamais été menacé, qu'est-ce que c'est que cette blague? La Grèce était menacée, le trésor grec était menacé, l'euro non. Deux minutes, puis je reviens au sujet. La Commission européenne de l'époque m'avait chargé d'aller aux États-Unis expliquer la création de l'euro. Je suis allé dans les grandes universités américaines, et notamment à Chicago, et j'ai eu un déjeuner où il devait y avoir 8 ou 9 prix Nobel d'économie. Alors ils m'ont tous dit, oh, c'est de l'euro, fantaisie européenne. Premièrement, vous ne le ferez pas. Et deuxièmement, si vous le faites, au bout de quelques mois, ça échouera. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce que vous croyez, nous allons faire, et ça durera, et c'est devenu la deuxième monnaie du monde. Ce qui fait que dans cet auditoire, le prix Nobel d'économie aurait dû me revenir. Je voudrais vous demander, M. Van Rompuy, de réagir à ce que M. Delors disait. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que les leaders européens autour de vous, dans les pays, manquent de conviction pour soutenir
un nouvel effort, un nouvel élan européen. Parce que c'est ce que vous dites, ils n'osent pas prendre des décisions difficiles, s'engager même de façon impopulaire à un moment donné, mais pour relancer une idée européenne. Est-ce que vous sentez qu'il y a une adhésion, une volonté des leaders européens de vous soutenir? On est convaincu que le problème financier continuait à exister, qu'on s'est attelé à la tâche de l'union bancaire, avec une supervision commune, avec une résolution commune pour toute l'Europe, parce qu'un des problèmes du secteur financier, c'est qu'il n'était pas régulé, ou qu'il y avait une régulation, mais qui était mal appliquée. C'était appliqué par les nationaux qui protégeaient souvent leur propre secteur. Oui, mais on est en train de mettre fin à ça. C'est l'union bancaire. Et avant la fin de l'année prochaine, vous aurez, et sur la surveillance, et sur la résolution de crise, des institutions communes. Je crois que c'est un bon moment pour dire qu'il faut changer. Nous n'avons pas le temps, tout le temps que nous voulons, même pour mettre en marche l'union bancaire. Il ne faut pas réinventer, il faut en comble l'Europe. L'Europe existe, elle a un grand passé, et je suis certain, elle a toujours un grand avenir. L'Europe, je ne savais pas qu'il a tué l'Europe, il l'a abîmée, et il n'est pas profondément tué. Heureusement, elle est encore vivante et elle va repartir, j'en suis convaincu. Mais il l'a abîmée parce que précisément dans les années 80, et une nouvelle fois avec le traité de Maastricht, on a brisé ce que je pense était un équilibre fondamental du projet européen. À l'origine, ce n'est pas un projet libéral, à l'origine, c'est un compromis entre les chrétiens démocrates, les socialistes et les libéraux. Et c'est, comme l'a dit Pascal Lamy, un mécanisme qui ouvre et qui en même temps protège. On ouvre le commerce entre les Européens, mais on crée à l'époque un tarif extérieur commun, qui est ce qui crée la solidarité européenne la plus forte. Et je crois que la lutte contre le populisme, contre la manque de responsabilité et de accountability, la lutte contre le protectionnisme nationaliste ou le nationalisme protectionniste, ça, ce sont les vrais enjeux de l'Europe. Merci. Elle est judéo-chrétienne, cette Europe. Et elle a un sens, elle devrait même fonctionner jusqu'à la Russie, en excluant la Turquie, pas par détestation, mais simplement parce qu'il peut y avoir un autre type de fédération qui pourrait être
toute fédération musulmane avec laquelle l'Europe pourrait entretenir une relation particulière autour du bassin méditerranéen. Donc je pense que la culture doit pouvoir permettre de lutter contre les populismes si effectivement on peut penser à nouveau frais la question de la fédération, la question du statut de l'État-nation, y a-t-il un avenir encore pour l'État-nation, la question de la souveraineté même régionale, et la question du rôle de la culture comme une culture prioritaire, pas comme une culture qui nous déferait, mais comme une culture qui nous constituerait. Jérusalem, et l'Europe s'est construite avec des échanges culturels entre les artistes constants, entre les musiciens, entre les écrivains qui se répondaient les uns aux autres. Donc l'Europe culturelle, elle a toujours existé d'une façon naturelle, d'une façon spontanée. Et l'Europe politique... On me l'est de 15. On ne peut qu'être d'accord avec M. Sabatel quand il a parlé de la manque d'une union économique, budgétaire, politique, bancaire, parce qu'en effet, la crise en Europe, c'est d'abord une crise politique. Elle a des conséquences économiques, mais l'origine de cette crise est politique. C'est une erreur de construction, même une erreur de construction grave, hein, pas une, mais plusieurs erreurs de construction avec la monnaie unique. La monnaie unique, moi je dis toujours, un État peut exister sans monnaie unique. Il existe des exemples, des États qui n'ont pas de leur propre monnaie, mais je ne pense pas qu'une monnaie unique peut exister sans État. Et voilà le problème qu'on a pour le moment. Le problème, c'est que, par exemple, les chiffres ont été donnés. Les Américains ont 106% de dette publique. Ils paient moins de taux d'intérêt que nous. Nous, dans la zone euro, 90% est la dette publique, en moyenne. Et les Japonais, ce sont les maîtres du monde, là. En ce qui concerne la dette publique, c'est 237%. 237. Même la Belgique n'a jamais connu ça, je peux vous le dire. 237. Et ils payent les taux d'intérêt les plus bas. Mais quelle est la différence? La différence est qu'il y a un vrai État qui a de la confiance. Les marchés ont du confiance dans les yens, dans le dollar. Il y a un État derrière, il y a un budget sérieux derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'euro? Il n'y a que la Banque Centrale Européenne qui est encore limitée dans ses actions. Mais il n'y a pas d'union économique, pas d'union fiscale, pas d'union bancaire. Et c'est ça le problème pour le moment, parce que la crise, tout le monde parle de la crise, mais la crise est typiquement européenne. Il n'y a pas de crise au niveau mondial. Il y a la Chine qui a encore une croissance énorme, l'Inde a encore une croissance énorme, même les Japonais sont sortis de leur hiver japonais. Finalement, après deux décennies de stagnation économique. Le G8 de demain, les chiffres de M. Sabatero sont éloquents. Le G8 de demain, ce sera les Américains, les Japonais, les Chinois, les Indiens, les Russes, les Brésiliens, et puis encore qui ? L'Indonésie et le Mexique. Voilà le G8 dans 20 ans. C'est ça la réalité. Et donc certains gens vous disent, oui, mais il ne faut pas croire ça, plus d'Europe, c'est dangereux, on va perdre notre identité nationale. Entre-temps, on est en train de perdre nos boulots, mais enfin, c'est une autre affaire. Hein. On va perdre notre identité nationale, les États-nations, ils ne font pas ça si mal que ça. Comment vous voulez le réchauffement climatique le résoudre au niveau national? Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté nationale dans le monde demain, où tous les problèmes sont... On fait des problèmes qui se situent au niveau mondial, au niveau planétaire. Donc tous nos problèmes
demande une approche européenne. Et donc, il faut essayer de réinventer la souveraineté. Réinventer la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de décider sur notre propre destin. Eh bien, ce sera au niveau européen, ou bien ce ne sera pas du tout. Voilà le choix devant lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est ça le choix qu'il faut faire, alors, je crois, aussi dans le cas. De Félix. Voilà, on arrive un peu de façon brutale, désolé. Alors pourquoi vous l'avez invité? Parce que j'aime beaucoup son discours sur l'Europe. Donc, il se bat bien, il a des arguments pour. La même personne. J'évite le profil pour des raisons. Non, pas de profil, juste l'épaule de profil, mais le visage de. Et alors, c'est quelles sont ces qualités? Non, vous n'allez pas l'interview. C'est un autre métier. Je l'ai tombé, je veux dire, sans démétier. Des conseils, mais après, il est pour mettre. Il y a quelque chose qui les reçoit. Donner des conseils, des communications, pour s'exprimer, c'est un changement. Je la sens bien. Oui, moi aussi. C'est bon. Oui, enfin bien. L'euro n'est pas une vraie devise, puisque nous ne pouvons pas imprimer du papier. Les Américains peuvent le faire. Donc effectivement, c'est une devise pas artificielle, mais qui n'a pas tout son rôle. Nous le savons. Et pour pouvoir la rendre plus devise, il faudra effectivement du fédéralisme. Et des actions communes, et des fiscalités communes, et de nombreuses choses qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à faire. Donc on n'aura pas un euro à part entière, donc on n'aura pas fait des progrès sur l'Europe. Et ça serait un autre débat beaucoup plus important, c'est le fédéralisme européen. Faisons en sorte que le débat soit réellement politique, et qu'on sorte un peu de cette logique d'adolescence où on ne sait toujours pas très bien si on veut l'Europe ou si on ne la veut pas. Moi, je suis convaincu qu'il la faut, qu'il faut la renforcer, mais qu'il faut maintenant passer à un débat sur le fond des politiques.